Alors, donc série en intervalle, de phrases en intervalle, sur un 2-5-1 en La mineur. Alors, mes accords, ça va être Si mineur 7 quinte bémol, Si fa la ré, fondamental quinte bémol, 7e tierce mineur. Une sorte de Mi 7e de bémol comme ça, Mi sol dièse ré fa, fondamental à vide, tierce 7e de bémol. Premier degré, La mineur 7e majeur, La sol dièse do mi, fondamental 7e majeur, tierce mineur et quinte. Et puis La mineur 6, La fa dièse do mi, fondamental 6, tierce mineur et quinte. Donc ma phrase, il va y avoir des secondes mineures, des secondes majeures, des quartes augmentées et des 9e dièse, qui est un intervalle assez large en fait, hein. Donc tout de suite, ça donne une connotation, entre guillemets, forcément un tout petit peu plus moderne aux phrases, à partir du moment où vous intégrez des intervalles larges aussi. Enfin, c'est une autre façon de faire pour donner une consonance un peu moderne. Donc quinte bémol, une 9e dièse, seconde mineure, quinte bémol, seconde et chromatisme via une seconde mineure pour arriver sur le sol dièse qui est la tierce du mi 7e. Je fais tierce quinte, quinte bémol, seconde mineure, seconde majeure et seconde majeure pour arriver sur la tierce du la mineur, 7e majeur. Ensuite, voilà, sur le la mineur, 7. Alors déjà là, hop, il y a cette cassure. Une 9e dièse descendante, seconde mineure, en fait c'est, voilà, on vise la fondamentale, et après
Alors là, on a une gamme bémol, une seconde mineure, une neuvième dièse, une seconde majeure pour rejoindre la sixte de l'accord de la mineur 6, et une quinte bémol pour rejoindre la tierce. Alors, je vous rejoue la phrase une fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc au final, de toute façon, on retrouve des choses, voilà, des gammes, des arpèges, des notes, des accords, des chromatismes, des choses, entre guillemets, qui appartiennent au vocabulaire jazz. Pour autant, le fait de s'imposer, de jouer des intervalles précis, ça va tout de suite forcer à sortir des sentiers battus, hein. Mais sinon, là, en fait, quand je fais ça sur le si, bah, je suis dans une gamme de do majeur, sur le si mineur 7e bémol. Quand je fais ça sur le mi 7e, bah, je suis dans une gamme de la mineur harmonique. Quand je fais ça, voilà, je suis dans une gamme de la mineur mélodique au départ, un chromatisme, voilà, et là je suis dans une gamme de sol majeur. C'est en fait, c'est que des, on retombe sur des choses évidemment normales, tout se recoupe, hein. Simplement, ça colore les phrases de sélectionner des demi-tons, des quartes augmentées, des neuvièmes dièses comme ici, ou d'autres types d'intervalles.